Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 22 août 2023 est de 135 gourdes, 84 à 95 points de l'or. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 136 gourdes, 32 à 94 points de l'or. À la clôture du marché le lundi 21 août 2023, le baril de pétrole était à 80,17 $, soit une baisse de 0,6%. Le sommet des BRICS se réunit cette semaine du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Le bloc qui produit près d'un quart de la richesse mondiale, soit 23%, et rassemble 42% de la population globale, revendique un équilibre économique et politique mondial multipolaire, notamment au regard des États-Unis et de l'Union européenne. Entre 2017 et 2021, les entreprises fintech en Amérique latine ont augmenté de 253%, passant de 703 à 2482 entreprises, selon le rapport « L'industrie des technologies financières en Amérique latine, défis et opportunités ». L'étude a souligné que le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine et le Chili sont les nations qui concentrent 81% de ces entreprises dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. La principale crypto-monnaie Bitcoin chute de 6,78%, une valeur jamais vue depuis la mi-juin. Selon les experts, cette baisse de la monnaie numérique est due à la déclaration faite dans le procès-verbal de la réunion de juillet de la Réserve fédérale publiée la semaine dernière, disant qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour réduire l'inflation. Fin de la rubrique Profinfo, merci de votre écoute, à demain. Profinfo, une courtoisie du groupe Profinfo.